qui est arrivé en fait il y a longtemps dans ma tête, c'est-à-dire il y a 2 ans, mais qui a été réalisé en 1 mois, quelque chose comme ça. Quand j'ai dit à Lucie, alors écoute, on avait fait un planning pour le Basic Boss Day, on va tout changer, on va le refaire. Et puis je vais créer une boutique en ligne et puis on commencera à présenter les produits à ce moment-là, avant de les mettre en ligne directement pour que vous puissiez les voir en direct et les goûter d'ailleurs, dans la fusion. Et Lucie m'a dit, impossible ton histoire, ça va pas du tout marcher. Elle avait pas vraiment tort parce que les dernières choses, on les a reçues hier après-midi. Donc c'était quand même très tendu d'un point de vue timing, mais tout est là. Donc pour cette première version, après il y aura d'autres choses qui vont arriver. Et si vous me connaissez bien, vous ne serez pas très étonné de ces autres choses, mais on en reparlera. Là, ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est créer une ambiance avec des produits qui aident à créer cette ambiance. C'est-à-dire qu'il y a une infusion, le petit moment cocooning qu'on se fait souvent. Différents bâtons de fumigation, donc soit de la sauge, soit du palo santo, que vous avez pu sentir sûrement très fort ce matin parce qu'on a bien purifié tout ça. Et puis un jeu d'auto-coaching, ça si vous avez envie qu'on montre une démo, avec Mathieu vous nous sollicitez et on vous explique comment ça fonctionne. Parce que non, ce ne sont pas que des petites cartes dans un pochon. Il y a vraiment un travail autour de ça. Les élèves de Coach Academy ici, vous voyez de quoi il s'agit. C'est un travail qui est hyper intéressant, forcément, sinon on ne l'aurait pas créé. Donc tous ces produits, ils ont vraiment l'objectif d'être le plus clean possible, que ce soit pour vous comme pour la planète. Donc ça a demandé un sourcing de fournisseurs qui était assez complexe, avec des péripéties que vous découvrirez dans le blog. Des personnes qui nous ont lâché il y a une semaine alors que c'était calé depuis novembre. Enfin bref, vous avez découvert tout ça. Et c'est ça que j'aime en fait. C'est le fameux chemin dont vous parlez, moi je trouve ça hyper excitant de rebondir et de trouver des solutions. Et donc ces produits, ils sont faits en France, ils sont faits par des petits artisans, soit bio, soit bon pour leur famille, etc. Enfin bref, Mélodie et Lucie sont briefées dessus. Si vous avez envie de leur poser des questions, elles sont dispo.